Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Destiny. On a du neuf et on a une très grosse info à vous partager. Comme vous le savez, c'est le grand retour du gouffre nécrotique en version 400 de lumière. Ça, c'est la bonne nouvelle. Une arme qui sera donc de nouveau disponible à partir de la prochaine mise à jour le 28 mars prochain. Donc comment nous avons eu cette information? Eh bien tout simplement par l'intermédiaire de l'un des développeurs directement sur Twitter. Donc il faut savoir que l'une des personnes de la communauté lui a posé une question, à savoir rapidement comment pouvons-nous savoir si le nécrochasme va revenir et comment pouvons-nous l'obtenir? Question à laquelle ce développeur Josh Amrick a répondu: oui, il sera de retour et ce sera lors d'une quête exotique qui sera similaire à la précédente. Donc on apprend qu'il y a bien le retour du gouffre nécrotique et que ceci se fera par l'intermédiaire d'une nouvelle quête exotique qui sera différente mais similaire à la précédente qui, je le rappelle, se faisait par l'intermédiaire de plusieurs étapes, à savoir looter la carapace du gouffre dans un premier temps sur la lame de Cropta, faire des éliminations de la ruche pour la transformer en l'apparition alliée et enfin looter l'essence de Cropta dans le raid pour la transformer en gouffre nécrotique. Donc c'est la bonne nouvelle de cette vidéo, le retour du gouffre nécrotique en 400 de lumière, une nouvelle quête exotique. On ne sait pas comment la débloquer, est-ce qu'on l'aura de présente initialement à la sortie de la mise à jour? On vous tient bien évidemment au courant dès qu'on a de plus amples informations. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à nous faire part de votre point de vue comme toujours dans l'espace commentaire et on vous retrouve très vite. À très bientôt tout le monde!